bien venir au troisième dimanche, dimanche de la famille. Et c'est ma mois d'achèvement, le thème qui est tiré dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 4, pour que la parole l'a dit, Jésus-Christ lui-même, il dit, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, le thème ça nous a savouré depuis il y a fait 17e jour déjà, dans moi, que nous là. Et l'on attendait tous les éducateurs qui déroulaient comme dans ce lien-là déjà, pour mettre en plus accent sur le travail spirituel. Et nous-mêmes, puisque nous encore ici-bas, des pieds nous sur terre, nous pouvons quitter ça, eh bien, nous avons plus le travail qui pour nous faire. Et encore une fois, m'a continué maintenant, mettre accent sur bonnes œuvres que nous jugeons qui est nécessaire pour nous toujours continuer à faire dans la famille, au sein de la société. C'est encore travail. Eh bien, le travail, nous songeons depuis après la désobéissance, depuis l'accident d'Éden, on dit que pour l'homme, eh bien, ou gagner pour travail avec soi, ou gagner pain. Et société entière connaît le travail, c'est la liberté, le travail, c'est une loi de la condition humaine. Et Paul va le reprendre plus tard, pour qu'il va venir travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais sachez qu'on nous connaît que le travail, ça n'a pas rien. C'est pour un bagage qui a prêté sans conséquence, qui a prêté sans récompense. Eh bien, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et le travail n'a pas rien. Et bien aimé, je dis à si bien quelques bagailles qui sont pour décourager nous dans le travail là. Et bien même pour ça, dans le pite de Paul aux Romains, nous parle du nom, mais bien aimé, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Tout ça, c'est pour nous dire nous. Travail n'a fait pour le Seigneur et le n'a travaillé pour le Seigneur, le n'a travaillé pour propre tête nous tout, nous fait pour nous favoriser, le prioriser, je dirais, les affaires de Dieu dans la vie nous, et ça n'a fait et pour nous faire bien, pas jamais pour nous prioriser les affaires de Dieu avant tout bagarre. Amen. Œuvre terminée ici-bas. Eh bien, mon bien-aimé, mon dimanche de la famille, ça, nous couchons sur tes mains pour nous dire faites toujours le bien. Et n'arrêtez pas, car les bonnes œuvres, mon bien-aimé, ce sont des semences. Nous te voyons dernièrement, vos œuvres, vous suivez. Donc, ouais, les bonnes œuvres font partie de votre héritage. Donc, par exemple, et comme ça, Tabitha, Mixit Dokas, et nous, ouais, dans Galate, il te dit, pour bon bagay, Dokas, qu'a fait la société, cela fut connu de toute Jopé. Je dis, nous gagnons pour nous mettre accent, nous gagnons pour nous arranger nous dans l'évangile là, afin que l'esprit capable de rendre témoignage que nous avons fait un bon bagage. L'esprit, société, à l'humanité, après communauté, ça, et évangélique, que Jésus parti, puis qui ont mission dans la main, nous avons fait un travail qui est noble en société. Et un peu plus tard,
dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6, les versets 8 à 10, je remets parole ça, côté la Bible dit, c'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et pour finir, ça veut dire qu'il a dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. Pas oublier matin, Nabdou, fait toujours le bien. Et moi-même, je distingue ça. Il dit, pendant que nous avons occasion, nous gagnons pour nous faire de bonnes œuvres, pratiquer le bien envers tous. Et surtout envers les frères de la foi. Monde qui plongeait dans les eaux du baptême avec nous, monde qui nous partageait même foi, monde qui nous gagne même espérance. Il mettait accent surtout pour Monsaïo. Pas quitter Monsaïo déçu de nous. Maintenant, nous ne connaissons pas dans l'œuvre de la foi, combien de monde qui fauchait, combien de monde qui passait à côté. Mais nous avons occasion pour nous reprendre nous. Si tu as un monde qui est fort, peut-être tu es peut-être tu pas content, ou pas très bien comportement. Parce que même dans les mariages, assez souvent, frère, ça a toujours venu dans le divorce, incompatibilité de caractère. C'est vrai, c'est l'homme, nous bien tout bien sûr. Mais Paul dit pratiquez bien, faites toujours, avec, surtout avec, envers les frères de la foi. Jésus. Il n'y a pas de manquer, pas mettre accent sur le travail là. Elle était sur la terre. Elle a achevé l'œuvre. Elle a glorifié nos papas, notre travail, il a bien fait sur la terre. Il te dit à Moussli, dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, il a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et c'est la loi et les prophètes. Maintenant, dans la bonne veille, nous, dans le mois d'achèvement, il y a plus de monde dans l'ego. Il y a plus de monde qui toujours appartient à monde de bonnes actions, qui appartient que monde fait bon bagaille. Même nous échange des cadeaux. Ou qu'on voit, ou même, ou on a échangé des cadeaux avec tes amis, ou prend autobus, ou prend machine, ou descend dans le centre-ville là, ou à l'homme, ou achète un bon bagage. Et puis, pour faire le plaisir, ou penser qu'à faire le content, ou même mener une enquête, qui ça ou en a carré là, peut-être si on t'a acheté qu'à pas apprécier. Et puis, mon nan lui-même, par respect, pas gain pour vous, pas, peut-être par ignorance, par manque d'éducation. Et puis peut-être, pas grand rien qui dit, il était comme vous. Mais ça, le baoua, son bagage qui est insignifiant. Il y a des gens qui amusent à déchirer tes mondes, à faire des bagages qu'ils connaissent, qu'ils ont détruit l'autre là. Des bagages qui a augmenté le rythme cardiaque, qui a augmenté le cycle, mais a misé la fête, l'habitude. Mais la Bible dit tout ce que vous ne voulez pas que les hommes, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi. Ou même ma culture, nos citoyens, ou même parler, je dis à côté de parler à l'âme de la dialectique épuisée, ou mettre plein de manifestations, parler pacifiquement sur la radio,
Nous pas occupé ou a dit son bagage qui fait exprès, il y a anagé peuple là. C'est les écrasés, brisés, moun mouri, c'est les ouais. Et pendant ce temps, lui-même, à chaque fois que vous avez passé au-dessus de ou loi dans la société, il y a insultant, ou insulté moun, ou vous êtes tombé en bas de la loi, puis vous êtes trop petit moun. On a annulé la paix des choses que nous connaissons même dormi. On pape, on a ça. Mais c'est lui qui décide de faire. Et c'est tout dans l'évangile. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1er, verset 27, c'est lui qui a appris à dire un bagage qui est fort. Nous-mêmes qui avons fait bonnes œuvres. Nous-mêmes, avant Ève, nous terminer, achever ici-bas. L'apôtre Jacques parle d'une parole qui est fort. Nous-mêmes qui appartenons dans une dénomination, nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes pas religionnistes, comme on dit, l'époque qu'on a fait étude biblique, témoins de Jéhovah, une frappe porte, même parce qu'on fait même barrière sur nous. Adventiste après séminaire, moi là. Comprendre, Nazaréen, mal prêché dans l'église nazaréenne, l'église de Dieu, nous là, malgré mon nom baptiste. Mais bon côté, l'apôtre Jacques parle de nos bagailles. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 27, il parle de la religion pure. Ça ne dit même pas religionniste, parce que la religion fait mon souffrir. C'est même de la guerre de la religion, ce n'est pas des gens qui périssent dans les bagailles, ça va. La religion pure est sans tache. C'est ça, Jacques dit. Devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Habillé matin, n'a pas les faire du bien, n'a pas les de bonnes œuvres. Combien de fois? Il n'y a pas que les comptes de qui est souillé. Si on a l'Anten Peace Christian Ministries, mais il dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter. Combien de BA on fait? Combien de fois on sent une nécessité pour aller visiter les malades, pour aller évangéliser, prêcher la bonne nouvelle? Qui font statistiques, combien faut inviter le monde à accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous ne pas songer. Donc, selon ce vitéra, selon Jacques, la religion sans tâche consiste à faire quelque chose de pro. Dans tout ça, on a fait, faut que le monde bénéficie. Parfois, nous égoïstes. Et c'est ça qui mettait le monde là, dans le niveau lié là, nous-mêmes, c'est tout pays, nous, descendre aussi bas. La religion gagne nous. Chaque domination a fait affaire par eux, pas plus bon. Et si tout dans le pays pauvre, c'est là où il y a plus. C'est là où il y a un égaré, mon petit qui a une bibliothèque en bas pour aller jouer sur l'ignorance. Et depuis dans la colonie, c'est qu'on s'est toujours yé. La religion, l'esclave là, si on pas servi mais tout avec obéissance, les petits mounions fait dans la colonie, ils pas baptisé. Les nous mourir en terme, nous pas chanter. C'est comme ça, grand prêtre là, il était toujours caché des bannières l'évangile là pour faire mon méchanceté. Est-ce que ça nous carrele du bien? Est-ce que nous carrele de bonnes œuvres? Je dis, il faut que nous ayons l'attitude des chrétiens, des bérets. Il faut nous vendre les paroles là pour nous comprendre, pour nous appliquer. Parfois, je dis, ça nous dit, nous dit un bagaille dans l'évangile là, mais action nous différent, nous faisons l'autre bagaille. Je dis à l'invité à dis-nous pour nous pratiquer le bien,
pour nous prépositionner. Ça veut dire la religion authentique consiste à pratiquer le bien envers tous. Qui que vous soyez, quel que soit origine ethnique. Mais ce n'est pas ça qu'a fait. Donc je dis, nous faites pour nous marcher suivant la foi nous. Ça n'a fait, ça n'a dit, yo digne de foi. On dit, checker intégrité, nous fidélité, nous. Songez, nous te parlons de Tabitha. Nous songez, dans l'Ancien Testament, que mon homme, il y aurait l'Ézéchias au soir de sa vie. Lorsque le prophète Isaïe a annoncé, il dit, mon cher, la maladie que tu as va t'emporter. Et Ézéchias, ma douleur, lui, est terminé. Il était dans la phase d'achèvement de la vie, dans tout bien qu'Ézéchias fait, dans tout ça qu'il a fait. Je dis, est-ce qu'on a mesure pour dire une phrase comme ça, dans la péripétie, dans la calamité, dans la situation difficile, et c'est qu'il y a la prière, lui, face contre le mur, de l'eau dans les yeux, lui dit, Seigneur, on sait le bagaille. Mais recevoir la nouvelle là. C'est vrai. Mais souviens-toi. Et je marche avec toi, avec intégrité. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Je dis, est-ce que vous avez une honnêteté, moralité pour faire une prière comme ça? Je dis, il y a des œuvres, il y a des aquaposés, il y a des comportements affichés, ou pas besoin d'aller faire publicité pour vous sur tous les réseaux sociaux. Société, même l'esprit lui-même a un témoignage, société a. On va connaître ce qu'on fait expérience en Haïti, on a cadre supérieur hiérarchique, on a cadre hiérarchique, il y a des fois où on a des employés, il y a après le directeur, bon bagaille. N'importe quel citoyen sur le quartier, on dit, ah, monsieur, c'est un bon bagaille. Ça, c'est pour un cadeau. Mais pour autant, mon nom a prêlé un tel bon bagaille, ça veut dire que où sont monde qui œuvre, c'est bagaille qui fait partie des œuvres admirables. Nous nous reconnaissons ça. Et surtout, une société naïve comme Haïti, nous n'avons pas demandé un pile, nous pas demandé extravagance. Le peu qu'il soit, nous sommes satisfaits. Je veux dire, c'est tout nous-mêmes qui dans l'évangile là. Il est d'autant plus important encore pour nous toujours poser des bonnes actions. Ça me comprend, ça fait me comprendre cette thématique-là. Dans le mois de la famille, la pratique du bien, les bonnes œuvres peuvent reculer même les jours de ton deuil, de coup d'ocas. Vous faites quelqu'un fait bon bagaille dans tout jour paix. Vous nous dites, pour Jean comme ça, bon, de pour venir côté li, ou de mettre une toutouni, déchirer, ou pas pour aller comme ça. De pour ne pas accepter l'amour ça. Exécutif. Donc, la bonne pratique, capable de pousser l'autre mounio, venir intercesseur pour vous, les bonnes œuvres. Capable de faire mon kounyayo, yo vin ap intercéder, yo vin ap prier. Et ça que ou gagne dans thématique ça, ou gagne le devoir, ou pratique le bien. Parfois, tout, ou qu'on y récolte ingratitude, mais malgré tout, même les lois de karma comme ça, malgré tout, continuez à faire bien, pas garder ingratitude, pas garder sous ça, mon abdi. Ordinairement, c'est mon, en pile fois, mon nous fait bien pour l'IA, c'est une famille. Dernièrement, on m'attendait, on m'a dit pasteur, qui a parlé, mon nous fait des bons petits œuvres pour nous,
peut-être c'est dans ça qu'on prend en main parce qu'il dit qu'il n'y a pas de gagner, là, on commence. Mais c'est dans ça que tout le monde fait mise en commun, on fait pour eux. Pas parler au mal, pas critiquer, pas reprocher. Faites du bien quand même, Lord, comme a dit, même lorsqu'on vous remerciera à coup de pied. Quand même, continuez à faire quand même. Le bien que je fais est plus bien pour moi, même pour toi. Société a approché bagayo, il y a passion l'autre gens. Maintenant, nous avons raison. Dans ça, nous avons gardé l'art, nous avons fait radio, graphie société a. Bien, en pile disparition des bonnes valeurs dans la famille. Je dis là, nous, sous dispensation de la grâce, après toute période qui passait, et continuer à faire le bien, même le ciel vient pour intervenir en faveur. Le bien. Payer facture nous. C'est ça la Bible enseigne. Maintenant, prends le livre, la loi, prends la Bible comme boussole nous, qui se livre de la loi, mais ce loi est point de ta bouche, mais dites les jours et nuits. La pratique du bien prouve que ou même, ou réellement, ou sont chrétiens. Et puisque nous encore en vie, notre rêve n'est pas encore terminée. Et nous devons continuer jusqu'à l'achèvement. En famille, fais le bien. En dehors de la famille, fais le bien. Faut qu'on bagaille. Et mon serviteur qui qu'on dit, faut qu'on baille pour qu'on s'abaille, baille. Pratiquer les biens envers tous et surtout envers les frères de la foi. Pas bail pour atteindre réciprocité. Pas arrêter comme des chrétiens parasites dans l'évangile là. Parce que c'est ce qui a dit la religion pure. Ce n'est pas monde qui dans l'évangile là qui a dormi sur le monde. Ce n'est pas mercenaire à Bible. Il dit la religion pure. Et ça fait Paul qui met accent. Non, Romain 12 ans. Parfois, ils veulent nous casser. Mais l'invité a dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attaché fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, ayez des prévenances réciproques. Pour nous bien anticiper. Ayez du zèle. Réjouissez-vous toujours en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Là, nous avons Romains 12. Et s'il applique jusqu'à la fin, il dit, pourvoyez aux besoins des soins, exercez l'hospitalité. Mais la frontière propre, gardez, mais qui est à nous, est-ce que vous continuez, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Parfois, nous disons, c'est les non calamités, c'est les non situations, nous allons verser à pape. Puisque la Bible dit, les nouvelles en fait, réjouit avec sa cap réjouit. Là, nous parlons entièrement. C'est parfois, nous allons verser seulement les intérêts nous en jeu. Mais, pas oublier, ça veut dire, réjouissez-vous. Toujours, pour vous voyez. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages pour vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez le bien. Recherchez le bien devant tous les hommes. S'il est possible, oh,
autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et bien, on a cherché l'agence. Et bien, c'est nos propres justifiés par nous, la société. La société a vu tout en jungle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tellement pas d'injustice, impunité arrivée, tellement dans la société, dans la famille, je veux dire, et pas des crimes, vous entendez, ménage capturé, ménage fiancé, madame capturé, monsieur, etc. Il y a trop de disparités. Et ça fait, la Bible met accent sur de bonnes œuvres, les qualifier. Mais vous vengez point vous-même, bien-aimés, les laisser agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Et c'est là. C'est important, mon bien-aimé, d'avoir de bonnes œuvres. Non seulement nos œuvres, ils sont capables d'attirer l'autre monde à Christ, mais ils ont encouragé nous, en tant que leaders, cap œuvrer, cap exercer influence nous sur les autres. Maintenant, si nous avons un mauvais signal, je dis à Alain Abgadé, dans tout journal, dans tous les réseaux sociaux, il y a parlé des comportements de l'Église dans le pays d'Haïti. Si dans l'autre camp, on gagne à bailler malfaiteur bandit point pour ne pas prendre balle pour faire Zach tuer le monde, on l'autre camp, nous tendons l'église à débarquer les âmes pour continuer à alimenter l'insécurité. Nous chita mal, nous commençons à garder en bas nous. Nous tendons pasteur, nous tuer président. Côté bonne œuvre, nous sortis là. Yo pas prendre au sérieux. Je dis à eux, moun presque, l'en a l'invité au monde, l'en a sorti dans l'évangile là, pour nous évangéliser, yo presque tuper nous, côté nous prenons l'invité moun vin là. Je dis à nous, pendant nous prenons l'invité moun, yo y a peur vini, nous les âmes. On a parlé, faire le bien, faire de bonnes œuvres. Vous conseillerez grandement ce matin d'exercer une influence positive. Et soyez des modèles à suivre. Paul, tu es un collaborateur, comme Timothée Tite. Il y a deux jeunes messieurs qui sont dans le ministère avec Paul. Paul t'a parlé à Tite. Dans Tite, chapitre 2, verset 6 à 8. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai plus de référence. Parce qu'il n'est pas arrivé dans le niveau ça. On a parlé de bonnes œuvres, on a parlé d'achèvement. Gloire à Dieu. Pour, c'est à la lumière de la Bible. Dans Tite, chapitre 2, verset 6 à 8, Paul t'a parlé avec M. O. Paul dit, a exhorté les jeunes gens à être modérés. T'es montré toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Hein? Et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alléluia. Mais je vous dis à tout côté a parlé nous mal dans l'évangile. Paul clair, hein, te montrer toi-même à tous égards. Pour parole nous, il faut nous sages, assaisonner de sel, faut irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et je dis, ah, c'est le contraire. C'est pas ça qui a passé là.
Bien-aimés, quand nous prêchons l'évangile, nous-mêmes, qui c'est mon cap sur vos vieux, nous-mêmes qui avons des grandes responsabilités sur Light and Peace Ministry maintenant, nous devons agir bien, nous devons bien comporter nous. Nous devons donner le ton, parce que nous avons la vérité dans nous. C'est ça nous dit, il faut nous prouver. Amen. Que votre enseignement soit digne de foi. Nous pas capable de bagarre dans fond l'autre. N'a pas de l'église, n'a foncé dans abîme, nous l'église a descendre là. Et si nous pas font camper pour nous font autocritique, pour nous garder à nos l'aide. Pour nous garder tête nous. Il y a bien pour parler tant de nous, il y a bien pour tuer nous, il y a bien pour prendre notre sou, n'importe quel animal capable de boire dans la ria, comme des pharisiens qui font bruit, des tolorides. Parce qu'il y a un mauvais signal. C'est vite à dire, Génio, il dit, famille l'évangile là, que votre parole soit saine, pure. Maintenant, nous devons être agréables devant le monde, que les paroles nous sont irréprochables. Vous tous qui écoutez, c'est que l'Esprit dit, qu'il continue, dit, et annonce la bonne nouvelle. Et cette thématique-là, je vous l'ai dit le matin. Soyez dignes dans votre conduite, dans votre comportement. On a enseigné la parole par nos actions. C'est sa politique. Et sa doctrine et son comportement s'accordent parfaitement. Est-ce que nous ne pouvons pas faire corvée matin? Mais n'a décodé, mais n'a fait le contraire à ça, n'a dit, à ça, n'a pensé. Parce qu'il y a des paroles de sagesse et un comportement agressif en même temps. Je ne l'ai pas accordé. Il ne faut pas donner raison à l'adversaire. Il dit, afin que l'adversaire ne vienne rien pour le dire nous. Il dit, l'adversaire ne respecte pas nous. Et c'est ça, l'adversaire attend. Ou nous rentrer dans la prison. Parce que je dis, nous avons un mandat d'amener, un mandat d'arrêt derrière contre les grandes autorités ecclésiales. Et de pouvoir entrer dans la prison, on ne peut pas sortir comme ça. Parce qu'il y a un gay, il y a une lesbienne. Il y a tout ça roulé. Parce qu'on peut dire relou. Ce n'est pas bon, je vais vous mettre là. Je dis à la travail pour le même côté avec l'adversaire. Je dis à faut que nous formions à culpa. Nous sommes tous responsables. Dans le dernier monde, je dis à. Nous devons continuer à produire des bonnes œuvres. Nous sommes des exemples à suivre. Jésus dit la parole, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Je dis à Mbakone, dans qui blackout, l'église tombe là. Quand nous avons suivi une lumière, la lumière, il y a une nuance. Amen. Maintenant, nous bien, nous arrivons enfin là parce que mon cap conseillé nous et parfois cap mal passé.
Et parfois, les menottes passées dans les mains, grand dirigeant, grand dirigeant, ils vont les jeter en prison. Des mondes qui parlent de moralité, c'est au cap fait nos morales. Et parfois, les nourris viennent à Bayomati, ils ne pas taper nous tout, la vie mène à finir nous, bastonner nous perdons du rôle nous. Je dis à celle-là, perdu sa velle. Nous pas qu'à assaisonner le monde là encore. Nous avons des adversaires coriaces. Songez ça. Des adversaires qui nous observent partout. Ils analysent nos actions. C'est pour ça que nous conseillons dans la thématique ça, agissez bien, soyez conformes à la parole. La parole de Dieu. Amen. Que votre adversaire soit anathème. Et c'est ça. Verset 8 là, dit dans le titre là. Et je le répète, verset 8 là. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Le diable fait l'objet de scandales dans l'église là. On ne va pas vivre l'église encore à cause de nous. Il n'a pas senti la sécurité encore. Je dis à les gangs, tes filles font tout crime, c'est l'ambassade là, c'est dans l'église là, l'entrée, l'île Baïti reste là, l'île témoigné. Je dis à ce qu'il y a une chèque en repos dans l'église là encore. Je dis à la moralité encore. Nous avons tout combiné. C'est même avis. Même avis de recherche qui des bandits, des adversaires, c'est l'idée nous tous. Mais, quelle honte. Comme je dis, le monde n'a pas honte encore. Je dis, honte là, son volonté, c'est souler ou honte. Je me demande quelques amis, longtemps, les m'a grandi au bord rivière, Jacques Mel, dans toute sable là, t'es un petit fleur, t'es les honte. Mais pour passer plus haut, on dit honte, ouais, tout coubé. Donc je dis à eux, un petit fleur, ça, ou mettre passer plus haut, il n'y a pas honte encore. Pas des papillons là, c'est genre encore. C'était contre la nature. Mais changez-moi, dis-nous. Dieu pardonne toujours. L'homme s'est élevé, les gains avantages, il pardonne nous. Mais la nature ne pardonne jamais. On travaille pour ne pas récolter les revers de la médaille. Et c'est là que nous allons finir. Maintenant, continuez à agir bien. Agis pas tant que le monde qui peut rejoindre Jésus-Christ. Agissez bien. Ayez une bonne conduite. Soyez des modèles, des exemples à suivre. Si nous avons cette responsabilité d'attirer d'autres personnes à Christ par nos paroles, par nos gestes, par nos comportements. Que Dieu fasse de vous des leaders vraiment capables, des leaders à suivre. Soyez restaurés, soyez puissants. Produisez de bonnes œuvres. Soyez dignes de foi. Soyez bénis.